Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla. On est parti pour continuer les sexes. Alors, on est là. Alors, avant d'aller là en bas, on va juste faire. On va voir le mystique si on va le faire tout de suite. Prendre l'artefact aussi. Et après, on va descendre. On fera le reste selon le temps. On est là. On va jeter, si déjà on est tout proche, un œil à celui-là. Et puis, on verra si on le fait ou pas. Si on le fait tout de suite ou pas. Sinon, on le fera plus tard. Si. Chaque jour, mes reins se fait triste à attendre. Quand viendra-t-il à moi ? Je m'y connais un peu en amour. Vraiment? N'as-tu pas plutôt entendu teinter mes pièces? Quelle importance. En effet. Surtout que les enfants du village jettent des racines sur ma porte en me traitant de vieille fille et de sorcière. Donc tu as besoin de quelqu'un pour te protéger d'enfants? Fais-moi grâce de tes bons mots. J'ai quelqu'un et nous nous sommes promis l'un à l'autre depuis longtemps. Mais son père refuse l'union. Alors tu vas l'enlever et faire ça bien. Sa maison est près d'ici. Elle est entourée de fleurs rouges. Attends, tu veux que je l'enlève? Tu le reconnaîtras, ses cheveux roux. Et essaie de ne pas tuer son père. Cela jetterait une ombre sur notre bonheur. Je vais lui préparer un poulet rôti. Ou peut-être un ragoût, tiens. Inspecte les alentours, Sinine. Pas très sûr de... Pour moi, il y a une maison là où il y a des fleurs qui sont rouges, mais ils sont pas directement accolés à la maison. Entouré de fleurs rouges, ce doit être la maison de son bien-aimé. Personne. Il y a une biche. Il y a un renard. C'est ton amour qui m'envoie. Qui es-tu? Oui, oui, parfait. Faisons en sorte que ton père croie à cette mascarade. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, la redoutable viking, je suis venue vous voler vos fils. Que tous les saints nous gardent! Les païens viennent nous massacrer dans nos lits! C'est ça, oui. Continue comme ça. Espérons que c'est vrai, cette histoire, c'est bizarre.
tête. Tu vas bientôt la retrouver. Lire. Prière pour l'amour, cher Seigneur, qui vit au ciel, joignez assez des gamins. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Chut, mon amour, tout ira bien. Attends, c'est ton bien-aimé ou pas? Il va le devenir. Cela fait longtemps que j'ai l'œil sur lui. Et il va bientôt savoir combien je l'aime, grâce à toi. Tu m'observais? Mais c'est... étrange et totalement malsain. Romantique. Que tu te sois donné tant de mal pour conquérir mon cœur, j'y suis sensible, en des endroits que je ne peux nommer. Tu as ma gratitude, Danoise. Prends ta récompense et laisse-nous. Sors ton gros outil et viens labourer mon petit champ. Alors, je vais lire la lettre. Prière pour l'amour. Cher Seigneur qui vit au ciel, j'en ai assez des gamins qui viennent frapper ma porte avec des navets. J'en ai assez de me faire traiter de vieille fille. Et j'en ai plus qu'assez de devoir me frotter toute seule. Il me faut un mari, jeune, viril, avec les cheveux roux. Comme celui qui vit un peu plus loin, dans la maison aux fleurs écarlates. En fait, je veux avoir celui-là. Ta fidèle servante, Sinavi. Bon. Allez, allez. On va faire l'artefact et après on va continuer l'histoire. Gentil cheval, où es-tu? Continuer l'histoire ce moment et le reste on verra plus tard. Alphida se souviendra d'un amant aussi ancien? Pas moi, en tout cas. Déploie tes ailes, Sinin. Déjà, on pourrait faire la hauteur. Un beau rêve, frères et sœurs, j'aimerais rebâtir l'église. Je rêve d'en faire un lieu de paix et de contemplation.
pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ah, sur un temps difficile, toutes ces contributions seront acquittées à gratitude. Bien à vous, frère Tony. La dernière maison de Meldon. Alfida devrait être là. Message de frustration. Meldon, est-ce trop de demander que la cessation des incendies des édifices soit encore debout? Je comprends votre colère liée à l'état de notre bourg, mais tous ces incendies accidentels ne font que nous desservir. Bien à vous, mais à consterner le frère Thomas. C'est pas la fille là? L'autre côté doit être barricadé. Oui, il y a combien de trucs là? Ordre strict, habitants de Meldon, veuillez cesser de mettre le feu aux moutons de l'armée. Ces pauvres bêtes souffrent déjà assez comme ça, frère Thomas. Oh, il arrête pas de... Requête polie. Mes amis, je sais que le temps sont durs depuis que les soldats ont pris le contrôle des salines. C'était notre gagne-pain. Je comprends que les tensions puissent être vives, mais de grâce, n'utilisez pas les jarres d'huile comme un ardent moyen de protestation. Il ne reste plus grand-chose de notre beau bourg de Meldon. Votre camarade, le frère Thomas. Bon, apparemment, elle n'est pas là. Pas ici. Je revois de nouveau parce que... Montre-moi cette terre, mon ami. Ça devrait se promener quelque part, là. Ça, c'est juste des vilains bonhommes. Quelqu'un a interrompu la préparation du souper. Un enlèvement ou une fuite. Tu as ma sœur. Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite à ta sœur. Une Danoise en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Comment t'appelles-tu? Je suis Elurich, l'homme de cette maison. Toi, qui es-tu et que fais-tu ici? Je cherche ta sœur, à la demande de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous n'avons pas d'argent, et ma sœur a largement passé l'âge de se marier. Sais-tu où ils retiennent Alfida? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais l'amener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai. Oh,
Ah, ok. Ah, c'est pas du tout au même endroit. Bon, on va juste récupérer ça. Si déjà on est là. Alors ça, j'aime pas trop, ils disent que c'est en bas. Ah ouais. J'étais déjà dans le bâtiment. Ah, c'est l'église. La fameuse église. Mais comment on y rentre? Là, il y a un mur carrément. D'y rentrer. Alors j'aurais voulu compléter, mais ça semble compliqué. Ah non, c'est une blague. Pourquoi? Ah, attends. Je pense savoir. Ça a marché, ça a cassé. Hein. Ok. Il en reste deux. Remontrance, ça suffit, Malden. Je suis le premier à aimer m'amuser, mais compte tenu du nombre d'incendies liés à de l'huile, je n'en peux plus. En conséquence, autoriser un accès illimité à la substance aussi inflammable, par conséquent, toutes les jarres d'huile du village ont été collectées et mises sous clé. Quand on se comporte comme des enfants, il faut s'attendre à se faire traiter comme tel. Bien à vous, mais exaspérez le frère Thomas. Ah ah. D'avoir une clé. Il n'y a pas beaucoup de...
chef par rapport au total. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, cette zone, je crois qu'il y a encore un truc. Là. Une petite richesse. Alors, est-ce qu'elle est difficile ou facile? Ça, c'est la question. Apparemment, elle est fermée par une porte. Elle est verrouillée de l'autre côté ou c'est une clé? Je dois passer de l'autre côté. Ouais, l'autre côté, soi-disant. Est-ce que c'est sur le toit ou pas, là? Voilà. Ah, ça se casse, ça. Je vais me chercher plus loin pour passer par là. Ah, c'est là qu'elles sont les jarres. Sincère excuse, mes bons amis. Laissez-moi avant tout vous présenter mes excuses pour le ton de ma dernière missive. Je reconnais que la patience est une vertu dont je manque grandement ces derniers temps. Par la prière, j'ai demandé conseil au Seigneur et il m'a montré que la faute m'a comblé. J'ai placé la tentation sur votre chemin, alors j'ai enfermé toutes les jarres d'huile. Puisse ceci mettre fin aux incendies volontaires. Bien à vous, en plein espoir, le frère Thomas. Bon. Je veux la richesse. L'aide d'espérance. Merveilleuse enfant de Dieu, cela fait 6 jours qu'il n'y a pas eu d'incendie à Malden. J'avoue être grisé par la joie. Peut-être est-il temps de commencer à rebâtir. Les jolies repousses de la reconstruction seront comme des fleurs de printemps surgissant des cendres. Vous êtes tous bénis, frère Thomas. Bon. Et maintenant, ils vont pouvoir continuer. Wow. Je voulais pas brûler, moi. Ah, mince, j'étais. Ah, ben j'ai pas fait attention. Voilà, quel idiot. J'ai pas fait attention à mon état. Ah, me remettre carrément dedans, ok. Ça, je crois que c'était la dernière qui me manquait. Ok, donc maintenant on va voyager vers l'autre endroit qu'ils veulent, mais c'est hyper loin quoi. Et il y a plein de choses qui laissent derrière eux. D'ailleurs, il y a carrément une attaque de village à faire aussi. Bon, on va essayer de récupérer ça sur le chemin. Avancer. Bon, là, les trois, on va pas les faire parce que bon, on veut pas tout faire. Hein. Aujourd'hui, ce sera trop long. Vite le cheval, hein, parce que... Alors, zoomer à fond. Ah bah là, il y en a 3. Ah, il y a pas mal de choses à faire hein, dans cette zone. Hein. Ce qui est normal. Allez, hop. De me démener. Hey. Gigant. Dernier.
Qu'est-ce qu'ils ont tout voulu? C'est la caverne d'Ali Baba. Inscription à moitié effacée. Ekvain, roi du Vexex, fils de Samphus, qui était fils de Kutgil. Il a été inhumé ici avec tous ses trésors, car les Amakus veulent faire le body envahisseur venu de Mercy. Bon, maintenant c'est ma richesse. Ouais, pour aller jusqu'à là-bas. Oh là 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 là. Allez, faut qu'on avance l'histoire parce qu'elle est pas finie. Je me retrouve ici. Ah. Ah, mais ça, je vais pas faire maintenant. On fera ça par la suite. On fera ça plus tard. On n'arrive pas avec l'histoire. C'est tellement à l'opposé. Ah, on peut la contrer. C'est un lac. C'est un lac. Arriver. Aide-moi, deviens mes yeux. Oh, une clé là. Une clé là. Il y a une clé là. Et l'endroit où je dois aller, c'est là. Bon, prudence avant tout. Ah.
si l'on me voit, je suis en danger. Ça m'a fait perdre la clé. Ils sont passés où ? Les devraient ouvrir la cage d'Alphida. Ce doit être Alphida, l'élu de Birstan. Elle ne manque pas de franc-parler. Oh purée, ça l'aurait tellement abîmé quand ça a passé par derrière. Il manque au moins une clé. Plusieurs fois, là. Ce vilain. Allez, on attaque par derrière. Bon, deux clés, c'est clair que j'ai. Je suis pas sûr que j'ai la troisième. Mais deux, j'en ai. Guide-moi, Simon. Ouais, je veux la voir, sinon il la montrait. Ok, je pense que j'ai bien toutes les clés. Il y a pas mal de choses à récupérer ici. Donc on va tout récupérer et on va finir la quête. Déjà, j'ai des trucs battus. Quasiment autant tout récupérer. Sinon on repère du temps pour tout refaire. Pour les rebattre la prochaine fois, ce serait dommage. Ouais, c'est verrouillé avec la clé, je dois l'avoir. Moi il me semble que j'ai toutes les clés. Quelques ennemis encore qui sont pas battus, mais on va le faire. C'est pas dans cette maison, c'est loin derrière. Ah.
On a énormément de petits. Il y en a deux qui sont un peu de côté. Doit passer inaperçu ici. Doit être bloqué depuis l'autre côté. Reste encore un. Encore un avant de suivre l'histoire. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Ils sont presque tous morts. Ça va aller. Hein. Là, il y en a pas mal. Ils ont beaucoup de vie. D'ailleurs, alors, c'est le bonhomme qui l'a. Eh ben dis donc. C'est l'heure de s'attaquer. C'est ici, je t'attends. Je peux partir mon gars. Bon là il risque de poser des soucis. Alors, ouais, il y en a encore. Va voir quelqu'un. Que j'avais prévu.
Tu vas crever. Tu vas crever. Tu vas crever. C'est dingue, quand même. Mais qui es-tu? Tu n'es pas avec eux, toi? Pas un bruit. Je suis venu te libérer. Mais je ne peux pas marcher. Ma cheville. Ah, ça, ils ne m'ont pas ménagé. Alors je vais te porter. Qui es-tu? À prendre autant de risques pour me sauver? Une amie. Une amie d'Ellurik? Mieux vaut porter ma capuche ici. Le pauvre. Pas de ton frère. Alors, il faut l'emmener, Maison du lac. Oh, pas comme ça. Alors bon, il faut d'abord sortir du village. Mes os me font mal. Elle se plaint beaucoup, hein. Ah non, ça marche pas bien. C'est pas ça que je voulais faire, enfin bref. Enfin, je vais le faire à pied parce que c'est en mettant après de la montée de la. De... Pour les 150 km, ça va. Mètres. Pour les 150 mètres, ça va encore. Allez. Doucement, s'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Ah ouais, il y a une rivière, une ville d'obstacles. Oh, ma jambe, j'ai mal. C'est assez. S'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Les saints soient loués. Te voilà, ma sœur, saine et sauve. Repose-toi. Tu seras bientôt de nouveau sur pied. Alfida, ils t'ont fait du mal? Ce ne sont pas quelques burnemolles qui vont me faire peur. Laisser un gamin à moitié mort pour avoir volé du pain, pas tant que je vivrai. Ces hommes d'armes ne se laissent pas attendrir par un ventre vide. Ellurik ouvre les yeux sur le monde. Il est sombre et cruel envers ceux qui ne savent pas se défendre. Alfida, pourrait-on parler seul à seul? C'est un bon gars, mais sans père pour l'élever, il ne s'est pas autant endurci que je l'espérais. Tu l'as élevé seul? Où étaient tes parents quand il était petit? Ils sont morts de la peste quand il n'avait que 3 mois. Et les soupirants, ça ne se bouscule pas quand on a un gamin collé sur le téton. Bon, à ton tour. Pourquoi tu es venu me chercher? Je suis venu sur l'ordre de l'Elderman Birstan. Il se demande si tu pourrais l'aimer de nouveau. L'aimer? Ce bon Birstan, il n'a pas oublié. Eh bien non. Il m'est arrivé de temps en temps de penser à lui. Mais avec mon frère sur les bras, je ne pouvais pas bâiller aux corneilles. Il n'a cessé de penser à toi, Alfida. Et maintenant que sa femme Estrid va repartir en Francie, il m'a envoyé te chercher. Mais ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Je suis pauvre, je l'ai toujours été. Et lui, un Elderman? Seigneur Tout-Puissant. Je veux bien essayer. Comment refuser? Oh bon sang. Si tu l'appelles, il viendra. En voyant le feu de camp, il sautera sur son cheval pour venir. Ellurik, viens t'asseoir avec nous. J'ai quelque chose à te dire. Hmm.
Ma petite fleur de pommier, est-ce vraiment toi? Eh oui, mais les corbeaux ont marqué de leurs pattes le coin de mes yeux. Ils brillent autant que lorsque nous étions enfants. Et Eivor t'a tout raconté? Tout, oui, en effet. Et veux-tu bien de moi, mon amour? J'ai le cœur prêt à éclater. Laisse-lui du temps, Birstan. Une passion trop vite ranimée ne tarde pas à s'éteindre. Naturellement. Tu as absolument raison. Et nous avons toute la vie pour rattraper ces années perdues. J'espère que ça mettra moins de temps. Et ce jeune homme était le Rich, le frère d'Alphida. Bonjour, votre granditude. Appelle-moi Birstan et rien d'autre. Et toi, tu es un bon gars costaud. De quel âge? 19 étés. Je n'ai plus que lui comme famille, Birstan. Si tu tiens à moi, trouve de la place pour nous deux dans ton cœur. Voilà déjà une moitié de notre marché, Birstan. Je reviendrai avec des nouvelles de l'autre. Ça veut dire qu'on va quitter Meldon? Oui, mon garçon. Pour vivre avec moi à Colcest. Je pourrais peut-être t'enseigner les joies de la chasse. Avant de partir, Ilurich, pourquoi ne pas faire une très longue marche sur la rive du lac? Mieux vaut les laisser à leur retrouvaille. La prochaine scène de cette histoire est l'enlèvement à Colcestre. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu nous chercher après toutes ces années. Tu n'as jamais quitté les gens. Ok, on a fini la quête. Bon, il reste un peu de temps. Bah... Oh là, il y a mon cas là. Bon, la roue, c'est un peu truc. Je crois que je vais me diriger vers là en bas plutôt. Ça fait toujours partie, ouais. Bon, déjà, on va récupérer le solitaire, là, la petite richesse solitaire. Et il y a le lac juste là. Oh là là, en plus. Allez, faire le tour du lac, faut s'en éloigner. Une fois que le cheval il veut avancer, il y a un lac dans le chemin. Redoubler de prudence par ici. Ah, tu dois juste prendre la richesse, le reste on s'en fout. Retournez cette charogne. J'ai ce que je veux, c'est bon. On va pas perdre plus de temps avec ça. Une fortune à papa. Bonne. Joli cochon. Cochon? Ignorante. Trotteuse est une laie. Et une beauté tout à fait singulière. Tu préfères que je vous laisse seule? S'il te plaît, oui. Et pas pour les raisons que tu insinues. Ta puanteur l'empêche d'exercer son flair délicat. Certains l'aiment, mon odeur.
Alors, elle cherche les champignons? J'ai entendu parler d'une telle bête. Des champignons? Elle trouve des trésors. Des trésors? La forêt d'Epping en est pleine. Et trotteuse les trouve. Oh, elle a une piste. Viens, je vais te montrer. Vas-y, ma belle. Trouve-nous des richesses et tu auras de belles baies rouges pour ton souper. Elle va m'emmener où, celle-là? Bandits en laissent partout, et Trotteuse est attirée par leur puanteur. C'est mal parti. Je vais rentrer et faire une sieste. Si Trotteuse a une piste, suis-la, d'accord? On partagera ce qu'elle trouvera. Sauf les bas, bien sûr. Je te les laisse. Ah, elle va pas bouger si je les prends pas. Trotteuse, trouve-moi quelque chose de valeur. Positif, hein. Belle trouvaille! Trotteuse, tu es la meilleure des laits. Va, Trotteuse! Comme si tu avais fait une rire à tes trousses! Digne de rivaliser avec Gullinbursti, le sanglier doré de Freyr. Es-tu toi aussi l'œuvre des nains? Ah, ce que je ne donnerais pas pour avoir une bête telle que toi. Là, ma belle, ces méchants brigands puants ne t'embêteront plus. Ok, ça c'est fait. Alors, on va terminer avec ça, là, derrière. Le pont d'Old Gravernsam. Encore beaucoup de choses à faire, mais bon. On m'attaquera à vue par ici.
L'autre côté doit être barricadé. Seul endroit que je vois, c'est monter là-haut. Non. Et une petite encore au niveau du monde. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Il y a comme un... Ah ouais. Sois mes yeux, Tinine. S'arrêter. La prochaine fois, on va revenir au départ. Il y a pas mal de choses autrement ici. Il y en a qui se promènent. Là. Là aussi, il y en a deux qui se promènent. Là-haut, il en manque pas mal. Hein. Et lui là, je crois que je l'ai pas encore découvert. D'ailleurs, celui-là sûrement non plus. Hein. Je crois que ceux-là qui sont affichés, ils sont pas encore.
Enfin bref, on va là et le reste sera pour la prochaine fois. Ok, on a débloqué cette compétence, il ne reste plus qu'à débloquer celle-là du haut. Donc là c'est un long parcours, on part de là et de là aussi je crois. Il n'y a pas de parcours rapide pour avoir le dernier. Donc dans l'inventaire, on a récupéré des capes et je sais pas quoi. Que j'utilise pas. Hein. Tout en laissant, en train de laisser comme c'était. Celui-là il est en or, hein, on dirait une hache puissante. Attaque 74. Or que celle-là que j'utilise 76. Bah non, il n'y a pas tellement de différence. Donc, pourquoi changer Ravi, donc voilà, il s'agit d'enlever Astrid pendant la fête de machin. Okay. Voilà, donc bon, l'ordre. Il y en a au moins 3 qui se promènent sur la carte. Bon, on va s'arrêter à ce niveau-là. Allez, bye bye. À la prochaine fois. On continuera cette histoire d'enlèvement.